Salamat Pagui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Tony. Non, Tom. Bonjour, monsieur Tom. Ben non, Tony. Je m'appelle Tony, j'ai 41 ans, marié, un petit bonheur. Je dirige un bureau d'études en urbanisme depuis une quinzaine d'années. Je travaille dans tout le grand sud-ouest, donc à peu près beaucoup de communes, beaucoup de choses de faites. Et à ce qui paraît, je serai directeur sportif de Toulouse Nord Football Club. On y est les gars? Oui. Je passe en mode Tony alors. L'histoire de Toulouse Nord débute et elle ne débutera que sur des valeurs qui sont les nôtres. Et que le groupe senior sera capable de transmettre à tous les instants. Montre-moi que tu l'as sur le cœur. Yes, mec. Donc, si on veut avancer et faire avancer ce club, c'est uniquement en étant un exemple pour ces petits, un exemple sur tout ce que je vous ai dit. Bonsoir, nous sommes actuellement en direct sur le match qui oppose Toulouse Nord à Brive-la-Gaillarde. À Bruguière. La pression est à son comble, l'équipe mène actuellement 4-0 et les supporters sont motivés, ils sont chauds, ils sont là, ils sont là. Tu prends ma caméra. Mais il y a deux points principaux. Djellal. Pour moi, c'est l'objectif principal, parce que c'est un objectif de gamin, en fait. Djellal, si il ne monte pas cette année, les U13 qui vont rejoindre ces U15 vont être trop nombreux et on risque d'être embêtés pour garder nos licenciés conformes. Je t'avais dit, le club, nous, il est situé en plein milieu de Croix-Dorade. Et c'est un quartier qui vit bien, il y a plein de constructions, c'est un quartier qui attire beaucoup de nouveaux habitants. Donc forcément, il y a une poussée démographique. Et ça, on le voit aussi au niveau du football. T'en as de plus en plus qui veulent signer. On a eu 27 gamins. On a eu 27 gamins et on n'a qu'une seule équipe. Et on n'a que deux éducateurs, Lucas et moi. Donc forcément, on ne pouvait pas prendre tout le monde. On a dû malheureusement se séparer de 10 gamins. Ça a été un crève-cœur pour nous. Pour moi, ça fait que j'ai plus de 30 ans dans le football. Cette situation, au début de l'année, c'est la première fois que je la vis. Maintenant, c'est un bonheur. Quand je sors de l'école à 17h, il me tarde d'aller au foot. Les pères, tu prends du plaisir sur le terrain depuis longtemps. T'as ton gamin qui arrive, tu vois, j'ai plus trop envie d'y aller, tu sais, tout ça. Puis après, tu le remets dans des bonnes conditions, avec des bons gamins, bien élevés, gentils, travailleurs, des bons principes, avec un coach parfait. T'as ton gamin, il te dit, allez, on y va vite. Et il est plus pressé que toi. Cadeau. Et j'en profite pour vous remercier d'être là, pour ceux qui se sont déplacés. Donc ce match, on le gagne pour vous. On le gagne d'abord pour vous et on le gagne ensuite pour vous. Et merci d'être venu. Allez, c'est parti les gars. Allez. Une rencontre assez exceptionnelle puisqu'on a Zlatan sur le terrain. Bah en fait, si tu te rapproches trop, tu ressens plus à Zlatan. Je rigole. Je veux que je parte là-bas aussi. Allez. Là, t'as voulu faire le coup. Oula. Oh là. Turkish Ibrahimovic. C'est bon. Et l'enjeu numéro 2, c'est que tous ces gamins-là, qui j'espère vont venir nous voir jouer tout à l'heure, faut bien qu'ils s'identifient à quelque chose. Tu vois, faut bien qu'ils trouvent un truc en se disant mon club c'est ça, et un club c'est d'abord ton équipe une, qu'est-ce qu'elle donne, quelle attitude elle montre, quel résultat elle a. Et donc cette équipe une, elle doit aller jouer plus haut, elle doit monter sans cesse. Pour Djellal qui est malade. Pour Djellal qui est malade. Pour nos U7. Pour nos U7. Pour nos U9. Pour nos U9. Pour nos U11. Pour nos U11. Pour nos U13. Pour nos U13. Pour nos U15. Pour nos U15. Pour nos parents. Pour nos parents. Pour nos amis. Pour nos amis. Pour la Toulouse Nord. Pour la Toulouse Nord. Bip bip bip.
Aïe, ça vaut le coup. Eh oui, tu m'as posé une question, mais pourquoi tu joues à 41 ans? T'as compris, non? Ouais, compris. Ouais, j'ai compris. C'est bien, papa.